Et salut à toutes et à tous, c'est Odd aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 45 de Rise of Tomb Raider. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On s'était donc arrêté ici sur cette petite énigme pour déboucher cet amas de glace. Alors un truc qui est stupide, hein, c'est-à-dire que je pourrais faire ça. Et voilà, hein, tout le monde connaît le feu, voilà, ça fait fondre, bon, bref. On va rien dire. Ok. Donc, alors, là, du coup, je sais pas, il a l'air d'être fermé. Ah non, d'accord, c'est lui qu'il faut fermer, qui doit s'ouvrir ou se fermer. Là, il est fermé. Là, il est ouvert. Ah. Évidemment, c'est très bien que j'ai dit fermer au lieu d'ouvrir. Mais d'ouvert, pardon. C'est pas grave. Bon, on va juste prendre ça parce que j'étais à côté et je l'ai pas pris. Par contre, je me rappelle plus comment on monte. Comme par là. Non. Il va y avoir une autre méthode. Ah oui, d'accord, ok. Alors là par contre je sais pas trop. Non, il est pas du tout bien positionné, donc on va faire ça. On va le mettre dedans. Donc là il a récupéré de l'eau mais pas trop. Donc là on va faire comme ça. Top. Je suis un peu déçu. Ah oui, non, d'accord, ok, ça y est, je viens de comprendre. Donc on rouvre 3. On rouvre 3, exactement. Viens par là. Tac, tac. Hop, un coup. Maintenant, on fait remonter ça. Ça devrait suffire. Et là, espérons que ça marche. Là, zoup. Non, non. Vite, vite, tire, tire, tire. Alors, c'est très bizarre parce que ça se vide tout doucement. Là, je crois que je l'ai bien mis. J'arrive pas à déterminer s'il reste de l'eau, mais on verra bien. On verra bien, ça a l'air d'être bon. Ouais. Oui, ça a marché. Ça a marché, du coup, ça a vidé l'eau. D'accord. Et il restait de l'eau. Voilà. Oh oui, il en restait pas mal quand même. J'ai fait une deuxième source. Non, vraiment. C'est normal. Il y a quand même beaucoup d'eau, je trouve. C'est pas grave. Par où qu'on remonte déjà? Ah, par là. Ouais, bon, tant pis. Je suis quand même curieux. Hop. Comme je suis curieux, on va monter et on va aller voir s'il reste vraiment de l'eau. Eh bien, oui. Ça se vide tout petit petit. Bon. Ah, attendez. Ah, on peut pas tirer, dommage. Et sinon. Ok. On se croit qu'il n'y a plus d'eau. Non, attendez, parce qu'il faut qu'on monte par là, j'imagine.
Ouais, non, c'était peut-être pas la meilleure position, mais bon. Pour monter, c'est pas grave. Ah, y'en a un qui a pas tiré de flèche. Des archers. C'était une feinte. Je m'en débarrasse. Reste à viser avec ce truc. Ouais, crève. Boum. Oui, bah oui. Hop là. Ah oui, d'accord, c'est... J'ai fait un dessus. Arrêtez de tirer. Je les vois pas, ils sont... Ah, ils sont là. Là. 3, 2, 1, boum. Ah bah là. Ah bah là. Y'en a que deux là-bas. Et bah go, on va tirer sur le truc en même temps. Non, là je tire pas du tout sur le truc, mais au moins j'ai les deux archers. Là, ça devrait marcher. Je pense que pour l'autre, il faudra que je cherche. Ouais. Et je dois pas pouvoir aller plus loin. Non, je ne peux pas. Ah, là-bas, par contre, est-ce que vous pensez que je peux aller? Là-bas, il y en a un. Tout au bout. Je pense qu'il ira pas très loin non plus. Oh, oh! Oh, sérieusement! Allez! Allez! Bah, je suis très déçu. Bon. Bah, juste penser à le faire tant que c'est tant qu'on y est. Pour éviter de devoir y retourner. Là, à peu près. Et bah, retirer un coup parce que là, je peux pas passer. Là, ouais. Ok. La voie est libre. Alors, attendez, parce que comment j'ai... Ah. Je suis obligé de repasser là-bas? Je peux pas retourner en arrière, c'est ça? Et bah tant pis. Parce que c'est un truc assez simple. Comment ça, y a une boule de feu. Comment ça, y a une boule de... Pourquoi? Ah mais il y a des trucs en plus. Pour ramasser, t'as pas... Mais arrêtez! Bon, vous commencez à m'énerver. Il y aura beaucoup plus vite comme ça. Ah ouais, j'aurais pu descendre. Est-ce que eux ils veulent que je descende? Moi je veux pas. Moi je veux pas. Et les balles? Bon. Que je peux craft des balles. Non, évidemment. Oh,
Oh, juste, je vais essayer de trouver comment. Ah, bah oui, il faut que je descende et que je trouve la porte en fait. Tout simplement. T'as pas une meilleure solution pour descendre, hein, parce que là. Bon bah allez hein. Oui, attends. Je m'en vais, au revoir. Et hop, bon. Profitez qu'il n'y ait personne. Comment on monte déjà, je me rappelle. Ah, comme ça, d'accord. Ah oui, c'est... Ça me revient. Voilà. Oui, je peux en tirer une quand même. Et yep. T'arrives à monter dessus, bah dis donc. Ah, ça marche aussi là-dessus, ok. Voilà. Et là, hop, et hop. Ça devrait aller. Et il en reste un dernier. Il est normalement à droite. Et le voilà. Et voilà. Qu'on soit d'accord, ça ne sert à rien, mais... Enfin si, ça gagne de l'XP. J'espère pouvoir m'accrocher à la... Ouais d'accord, ils sont ramenés et tout. Bon. Salut. J'ai récupéré des armes et des outils. Suffisamment pour survivre. Le Khan m'a un jour demandé d'apprendre à tirer à l'arc et à me battre comme l'un de ses soldats. Et pour cela, je lui suis reconnaissant. Il m'a donné ses propres flèches, capables de transpercer les armures. La glace environnante me fournit de quoi étancher ma soif, mais elle dégouline de sang. L'armée du prophète patrouille désormais dans une ville fantôme. Ces hommes n'ont rien à voir avec ceux qui nous ont accueillis aux portes de la ville. Ils ont changé d'une certaine façon. Parmi eux se trouve un homme que j'ai tué moi-même au combat.
D'après les vieilles légendes, ceux qui ont posé les yeux sur la source divine ont renoncé à leur âme pour accéder à l'immortalité. Si c'est avéré, je vais mourir ici, enseveli avec le secret que j'étais chargé de découvrir. D'accord, donc quelqu'un... What? No! Arrête! Il y en a un autre, non? Là. Descendu si bas que ça? Ok. Bon, pour les statues, je vais pas m'embêter. Si j'en vois, je la casse. Si j'en vois pas, bah j'en vois pas, point. J'ai pas envie de m'embêter avec les statues, du par contre. Hein. Là, j'en ai cassé une en espérant que c'était les derniers. Je vais peut-être en trouver plus tard, donc. Ah oui, pardon. Allez, là tu regardes. T'en fais pas partie. Ah oui, d'accord, ok. On part sur un pont. Qui n'est plus un pont. Oh là là. Allez, monte. Il n'y en a plus. Tu devrais brûler. Ok. Wouhou. Oh, Nitrilitaire. Lara, les Trinitaires se sont frayés un chemin. On ne peut pas. Ok. 3 points de compétence, tant que ça. Bon bah. Ça, ça sert à rien, mais. Et évidemment, ça c'est complètement adapté. Alors, du coup, je vais regarder là parce que peut-être que je peux améliorer des trucs. Pas du tout. Depuis un bon moment, je ne peux plus rien améliorer. Sans maîtriser la fabrication. Ah, d'accord, donc en fait, depuis tout à l'heure, je suis bloqué. Avec ça, ça, non, ça, c'est ça. Bon, pas bien grave. Tant pis. Et du coup, qu'est-ce que j'ai comme amélioration disponible sur mes armes? Ah, rien avec l'arc que j'utilise actuellement, rien avec le pistolet que j'utilise actuellement. Un truc pour ça et un truc pour ça, d'accord. Donc on va regarder déjà pour ça.
Chargeur tambour. Bien ça. D'accord, et là on a quoi? Fenêtre d'éjection modifiée. Ou poignée rembourrée. Pour une meilleure stabilité. Ou une vitesse de rechargement plus intéressante. Sauf que moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Tac. Tac, je crois que je pouvais quand même faire l'autre. Alors, par contre, du coup, je ne peux pas... Ah mais d'accord, c'est que je suis au max. Parce que j'ai ramassé les munitions. Donc ouais, je vais quand même mettre le fusil à pompe. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là. Je vous rappelle que le lundi et le vendredi de cette semaine, je stream, pas le mercredi, désolé. Donc le lien est dans la description pour Twitch et aussi pour Twitter. Parce que je préviens quelques minutes à l'avance quand je stream. Et si le stream est pas possible, bah, je préviens aussi. Sauf pour le mercredi, puisque je préviens dans les vidéos. Et puis bah du coup, bah, sinon je vous dis à dimanche prochain pour la suite de Rise of Tomb Raider. Et puis bah, à plus !